faire des courses, mais là, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. En plus, si on va au supermarché, je suis sûre que tu vas prendre plein de choses et j'ai pas envie de porter tout ça, moi. Mais s'il te plaît, maman, juste parce qu'on a plus de petit déjeuner et tout, de goûter. Bah si, il y a plein de choses à la maison, tu veux juste encore plus. Et si je t'aide à porter les affaires? Tu veux dire, je ne vais pas porter les courses toute seule cette fois-ci? Tu vas me donner un coup de main? Pinky promise? Non, pas Pinky promise, je te promets. D'accord. Je suis sûre que je vais regretter, hein. Two hours later. Moi d'ailleurs, quand je serai grande,
Mes cheveux, ils sont tout bleus. Et toi, quel est ton secret? Eh ben oui, t'en as pas, puisque tu es une poupée. Voilà, Verity, je t'ai fait 200 wish. Merci, maman. Mais, Verity, j'espère que c'est pas pour toi et Nora la poupée. Bah si, maman. Mais tu sais, Verity, c'est une poupée, elle ne peut pas manger. T'inquiète, maman, je vais manger à ta place. Voilà, Nora, regarde, même ça forme un cœur. Maman, je peux aussi avoir du jus de pomme, s'il te plaît? Bien sûr. Un instant. Tiens, mon cœur. Merci. De rien. Oups, attention. Voilà. Nora? Nora? Mais, Nora, t'es une poupée, comment t'as mangé ton sandwich? Maman? Oui, mon cœur. Il y a Nora qui a mangé un bout de sandwich. Mais, Verity, c'est pas possible, c'est une poupée. Tu t'es trompée. N'importe quoi. C'est vrai, peut-être que je me suis trompée. C'est une poupée, elle ne peut pas manger. Nora, tu sais quoi? Je vais prendre le reste parce que ma maman, elle dit que les poupées, elles ne peuvent pas manger. J'ai pas quelque chose à faire. Oh non, 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 j'ai des devoirs à faire parce que demain, j'ai un interview surprise. Il faut pas que j'aille des mauvaises notes. Parce que sinon je vais gronder et je vais être en retenue. Et c'est pas bien d'être en retenue. Désolée Nora, je dois aller faire mes devoirs, désolée. Je reviens dans 10 minutes. Bon, j'ai quoi en devoir? Alors j'ai le français, j'ai l'anglais dans le cahier. Et aussi je dois télécharger une notion d'anglais sur l'iPad. Voilà. Les amis, est-ce que dans votre classe il y a quelqu'un qui fait des bêtises? Parce que moi, ma maîtresse, elle a même les yeux derrière la tête. Donc elle voit tout. Là par exemple, c'est écrit quoi? Complète cet alphabet avec les lettres manquantes. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Exercice 2. Complète les noms de lettres dans chaque mot. Interminablement. Ouh là là, il y a combien de lettres? 15, j'ai 15 lettres! Oh, ouh là là! 15. Lise. Bah, il y a 4 lettres. 4. 1, 2. Ah oui, 1, 2. 2, voilà. Découverte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, il faut que je me dépêche. Je vais enfin pouvoir retrouver ma copine Nora. On va bien s'amuser, elle et moi. C'était tellement fatigant les devoirs. On va ranger avant. Nora. Nora. Tu portes mes vêtements.
peur. Elle me fait peur quand même. Ça commence à m'effrayer. Verity, allez, il faut se préparer pour le lit. Il se fait déjà très tard. Non, maman, pas pour le lit. Bah si, tu te brosses les dents tout de suite. Non, pas maintenant. Verity. D'accord. Je suis très fatiguée, je vais me brosser les dents et ensuite je vais aller au lit. Il faut bien se brosser les dents pendant 3 minutes, c'est très important. Parce que si on le fait pas, on a des caries. Quand je me suis lavé les dents, je sentais qu'il y avait une présence à côté de moi. Oui, une présence, c'était comme une présence. Oui, c'était ça. J'ai l'impression que je suis pas toute seule dans la salle de bain. Maman, t'es là, toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Maman, est-ce que tu es là? Maman, je suis sûre que tu me fais une blague, maman. Derrière la bouche. Oh, c'est Nora. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est maman qui l'a fait là. Nora. Mais pourquoi t'es là? T'es en tête tout sur le canapé. Ma maman va me gronder si tu vas, si elle te voit là. Tu as des cheveux bleus, je savais pas ça. Mais avant, tu en avais pas. Comment t'as fait? Tu t'es colorié les cheveux? C'est pas au bureau de ce que je t'ai parlé tout à l'heure, hein. C'est ça. Quand je serai grande, mes cheveux seront tout bleus. Ah, mais c'est bizarre. C'est bizarre qu'elle est là. J'étais en train de faire mes devoirs, elle s'habille. Ensuite, elle était toujours sur le canapé. Mais ensuite, elle vient ici. C'est comment c'est bizarre? C'est comment à me faire peur, ces histoires? C'est pas possible, ça. Maman, il y a un truc bizarre, maman. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, ta poupée? Mais je sais pas, c'est pas moi qui l'a pris, maman. Ce n'est pas moi, elle est arrivée là quand je me suis brossée les dents. Maman, j'aime plus cette poupée, il faut la jeter. D'accord, mon cas. Bah viens, je te mets au lit, ensuite je vais me débarrasser d'elle. D'accord. Maintenant, place à la fête, se réjouit Jacques. Cendrillon est enchanté, tout comme la cinquième petite fille qui porte une jolie robe aux couleurs de l'amitié. Oh, c'était une belle histoire, mon cœur. Mm-hmm. Tu te sens mieux? Oui. Ok, bon, tu dors bien et t'inquiète pas, je veux m'occuper de la poupée. Merci maman, je t'adore. Je t'aime mon bébé. Night night. Night night. Thank you.
c'est le matin. Allez, on se prépare pour l'école. On se réveille, mon cœur. Maman. Allez, Verity. Je fais ton petit déjeuner. Maman, 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 maman. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un cadeau et... Maman, attention! C'est pas la poupée maléfique! Mais tu veux pas jeter, maman? Si, si, si! Mais... Attends, Verity, attends! Mais si, Verity! C'est cette poupée! Mais c'est très étrange! En effet, c'est elle! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas, mais... Tu l'avais vraiment jeté, t'es sûre? Bah si, je l'avais jeté. Mais pourquoi, maman? Mais comment elle est revenue? Je n'ai aucune idée, Verity. Mais maman, et c'est quoi ça? Quoi? C'est écrit cadeau pour Verity. Mais tu as de nouveau un cadeau? Oui, mais c'est vraiment bizarre, maman. Bon. C'était bien emballé, le papier cadeau il est sympa, il est tout rose. Peut-être c'est vraiment un cadeau d'un ami par exemple. Oui, à mon avis, la poupée on va la laisser là et on va amener le cadeau, d'accord? D'accord. Tiens. Toi tu restes là, je veux pas te voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce beau cadeau? Je sais pas trop, mais je vais voir. Je t'aide? Non, merci. Enfin, oui, si tu veux. Oui. Mais j'adore déballer des cadeaux. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, maman. Buzz Off? Je connais pas. Est-ce que tu le connais? Verity, Buzz Off est un grand classique des jeux de société. Comment on joue? Il faudra faire preuve d'adresse et de précision, Verity. Avec cette baguette en argent, on doit suivre le chemin de la main en fer. Mais nous n'avons pas le droit de toucher cette main en fer. Parce que si on le touche, il y aura une alarme. Ça va klaxonner et nous allons perdre. Ça va être difficile, mais qu'est-ce qu'on gagne aussi? Bon, je te propose, si tu gagnes, je fais ton lit pendant une semaine, d'accord? Oui, et si je perds? Tu vas faire mon lit pendant une semaine et aussi sortir la poubelle. Alors non, moi aussi je choisis une deuxième chose. Ah bah non, Verity, s'il te plaît, sors quand même la poubelle. Non. C'est pas juste, alors moi j'ai choisi une deuxième chose. C'est quoi ta deuxième chose? Tu dois retrouver mon doudou que j'ai perdu. Mais Verity, je sais pas comment tu l'as perdu, moi. Il faut le retrouver. Mais c'est impossible. Bah si, maman, tu peux très bien le retrouver. Il est pas loin, j'en suis sûre. Bon, ce cas-là, j'ai intérêt de gagner. C'est plutôt moi qui va gagner, tu veux dire, maman, tu t'es trompée. Bon, on joue trois parties et on verra. Ok. Je vais adorer quand tu vas faire mon lit chaque matin pendant une semaine. On va voir. Et sortir les poubelles. Des grosses poubelles qui puent. Des chaussettes. Des oignons. Tu sais que j'ai déjà joué à des jeux comme ça dans les fêtes foraines. À Buzz Off? Oh non, ça veut dire que tu t'es entraînée, Verity. Bah oui. Et je risque de perdre. Oh. Bon, on va y aller. C'est toi qui joues en première? Non, toi. Oh. Ok, donc, avec cette baguette, je commence là, vers le bas. Oh. Et je dois suivre le chemin de la main,
sans toucher au fer. Là, ça va. Mais maintenant... Oh! Le problème arrive quand il faut tourner, quand il y a des courbes. Donc, bonne chance, j'ai perdu la première partie. Non, moi je peux pas. Au fait, le premier sera celui qui arrive le plus loin dans le chemin de la main. Parce que ça me semble un peu difficile, Verity. Donc, voilà, c'est à toi de jouer. D'accord, maman, j'y vais. C'est pas évident. Donc c'est ici qu'on perd souvent. Donc je vais baisser et je vais essayer de me tourner un peu. Maintenant, est-ce que je peux tourner? Bon, je vais encore me baisser et essayer de me tourner sans toucher la main. Tu vas gagner. Bah là, je pense que ça marche. Bravo. Bon, il y a une technique apparemment. Voilà. J'arrive. Verity, tu es prête? Tu es prête à faire mon lit et de sortir les poubelles? Oh! Oh là là. Mais tu sais, Verity, je trouve que Bazoff est un peu difficile. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai que c'est quand même un peu difficile. Mais... Qu'est-ce que... Non! Qu'est-ce qu'elle fait là? Je sais pas, mais je te promets, c'est pas moi qui l'ai mis là. Mais je sais, Verity, on était en train de jouer et elle est apparue. Mais on l'avait laissée dehors. Bah oui, mais je comprends pas. Allez, on y va. On la remet dehors. Tu verras, on va la mettre dans la poubelle et comme ça elle ne sera plus du tout avec nous. Et on ferme la poubelle, comme ça elle ne vient pas vraiment. T'inquiète pas. Je ne vais même pas la voir, moi. Méchante. Boum. T'inquiète, Verity, tout va bien se passer maintenant. Elle est partie.
C'est... Non, maman, non, non, c'est impossible. Attends, attends. Non, maman, c'est pas possible. Attends, je vais te dire. Mais... Non, maman, mais là, c'est impossible. C'est pas possible, maman. Mais... Attends, c'est pas la même, mais il doit y avoir deux. Mais c'est pas possible. Parce que... Sinon, comment elle fait? Il y a des piles ici. T'inquiète pas, Verity. Nous allons trouver un moyen de nous débarrasser d'elle. Allons, on va trouver un nouveau endroit. Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Qu'est-ce que tu nous veux? Verity, cette fois-ci, on va essayer de la mettre dans la buanderie. Ok? Viens. T'inquiète, ok? Ça va bien se passer. Cette fois-ci, tu vas voir, elle ne pourra pas sortir, pas du tout. Oh, attention, tiens, tiens là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, non. C'est bon. Allez, dis-moi ce qu'on va la mettre. Là-bas, peut-être. Ok. Verity, on va essayer de la mettre dans une machine? Oui. Ah non, là, c'est... on va essayer une autre. Là, ça, c'est pas possible. D'accord. Et ici? Ah, oh, c'est plus grand. Oui, comme ça, ça va marcher, c'est sûr. Mais... Non, non. Oh, bah, elle est trop grande, cette poupée géante. Bon, ça ne passe pas. Oh, les machines sont occupées. Merci Verity. De rien. Merci. Elle ne me lâche pas. Attends. Elle ne me lâche pas.
Elle ne lâche pas la main, Vérité. Je vais t'aider, maman. Essaye vraiment. Vérité, ne lâche pas. Attends, tire là-bas, moi je tire là. Je ne peux pas. Vas-y. Vérité, ne peux pas me lâcher. Attends, maman, attends, attends. Regarde. Essaye de l'agiter. Why is it hard to see the stars? Dis-le-moi, baby. Whatever happened to our sky? Another place up there, somewhere we can get high. Take me on a journey tonight. Reach out your hand, guide me through this night. Reach out your love, and take me to the light. Through the gray, speeding, misty fog, and I'll be on my way. Won't stop until I find.
and I'll be on.